Au nom de U-Sport, je suis ravi de vous annoncer que nous accordions la 56e édition de la Coupe Vanier à l'Université Laval, qui aura lieu samedi le 4 décembre 2021 à 13h au Stade TELUS Université Laval. Évidemment, nous ne savons pas pour le moment combien de partisans nous pouvons accueillir pour le championnat, mais nous allons travailler avec toutes les instances de la santé publique pour avoir le plus du monde dans les gradins. Mais peu importe, l'U-Sport sait que les partisans de Québec y seront en grand nombre pour encourager les deux équipes. Il s'agira pour l'Université Laval de la 7e présentation de la grande finale de la Coupe Vanier depuis 2009, donc c'est pas rien. Beaucoup d'années d'organisation. C'est important pour le club de football, c'est important pour l'Université Laval de tenir un événement comme ça et surtout de lever la main pour la relance du sport universitaire. La dernière année a été très difficile et nous, on l'a vu particulièrement auprès de tous les sportifs de l'université et de la région. Et on voulait leur envoyer évidemment un message d'espoir. On a toujours eu à cœur d'augmenter et de donner une expérience extraordinaire aux étudiants athlètes en recevant des événements comme la Coupe Vanier. Et pour ceux qui l'ont vécu, je suis certain que c'est des souvenirs qui sont encore dans votre mémoire. Ce qui sera différent cette année, c'est que nous aurons une participation beaucoup plus grande des anciens du club, donc vous en voyez actuellement. On avait senti chez eux une réelle intention de vouloir s'impliquer dans des événements comme ça. On trouve ça super intéressant. Ça fait partie de notre planification stratégique aussi, de continuité du PEPS, de vouloir se rapprocher des anciens du Rouge et Or. Donc, c'est une belle nouvelle en ce sens. Puis, c'est un immense plaisir que je présente aujourd'hui le co-président du comité organisateur de la 56e édition de la Coupe Vanier, M. Richard Bélanger. La Coupe Vanier, c'est le but à atteindre, c'est la réussite en équipe. C'est rien de moins que la conquête de l'excellence. Parce que pour y arriver, ce n'est pas le fruit du hasard, ça prend rien de moins que l'excellence. Il y a eu le privilège de faire partie de la première conquête de la Coupe Vanier. J'ai fait partie de ce long parcours d'un programme qui était nouveau, d'un programme qui intégrait une ligue. Je suis dans les quelques-uns qui peuvent dire qu'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires avec le Rouge et Or, ce qui est très peu commun. Mais j'ai vu c'était quoi? Adopter les bonnes habitudes de travail, les bons réflexes, la bonne éthique, le bon esprit d'équipe, tout ce que ça prend pour bâtir une équipe championne, gagnante, pour bâtir une dynastie. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui a un impact pour la vie, qui façonne notre vie, qui façonne après ça ce que nos étudiants athlètes vont faire de leur carrière professionnelle, que ce soit en affaires comme moi ou dans d'autres domaines.